Bonsoir tout le monde, merci d'être branché Télévision Nationale d'Haïti. On va suivre Téléjournal là. Je te présente rapidement grand titre. Grand point cap dominé actualité. Hein? Président République là, Jovenel Moïse visité jeudi 21 juin, Fort Saint-Michel, pour vérifier état avancement travail. Construction route Fort Saint-Michel là fait partie une principale revendication. Moun cap vive dans zone ça, c'est une priorité caravane changement dans le département nord pays. La police prend toute disposition pour tablir yon climat la paix dans zone Martissant à Portail et Hogan. Déclaration directeur départemental l'Ouest Police Nationale là, Berson Soljo, qui fait qu'on est une unité spécialisée dans PNH là qui travaille pour contrecarrer action bandit qui sime la troublaille dans mitan population. Environ 144 000 candidats à bien pour CIBI épreuve officielle baccalauréat pour année académique 2017-2018 là. Dans ce sens, le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle annoncé l'I déjà prend toute disposition pour bon déroulement examen SAIO captant main sauti 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Secrétaire d'État pour alphabétisation organisé jeudi 21 juin dans CEMAC, cérémonie clôture programme Combit Alpha qui était lancé dans mois juillet 2017 dans cadre caravane changement. Dans l'actualité internationale là, dimanche 24 juin, c'est bral jour pour Turquio voter un nouveau président dans tête la Turquie, 56 millions moun tadoué participer dans élection SAIO. C'est tout point SAIO nous bral développé pour rester branché Naptoune. Bienvenue dans développement journal là. Président en République la Jovenel Moïse, t'es sous place jeudi 21 juin dans Fort Saint-Michel pour vérifier état avancement en travail. Construction route Fort Saint-Michel là fait partie une principale revendication moun kap vive dans zone ça. C'est une toune en priorité caravane changement dans département nord pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duverny. C'est à campir le contentement moun nan Fort Saint-Michel accompagné président républicain Jovenel Moïse qui te vinn garder état avancement travail bétonnage plusieurs rues en dans Fort Saint-Michel. OK, nous content j'en travaille la fête là parce que longtemps nous te connait pas en pile misère là. Les gain inondation là, l'eau qui connait barrette là, même quand notre connait courir dans réel ça là. C'est quand notre qui connait courir pour un monde là pour sauver monde, pour mettre monde dehors pour faire dispose monde pas noyer dans droit là. Mais je dis à la moi vraiment vrai. Caravane nous jouons pas nous là-dedans parce que caravane un changement et pour nous tous. Jean route la terre, il va être bon et puis tout, qu'on est à la main nous soulager, nous marcher bien sous lui, nous dit merci pour ça. Et qui m'a-t-il avec tombé, j'en ai plein de l'eau. Nous avons quitté Kayo fait 8 jours de côté, pas le fait qu'il n'y a pas gagné, il n'y a pas de canalisation, pas qu'il fait dans la zone. Là. Mais arrivant le président Jovenel Moïse là, on est là, il a décidé pour aider jeunes aller mieux. Le travail c'est à la faire, son travail que mon bail en pile bourade, parce que bourade qui existait, il faut que nous deal pour qui ça, parce que directement avec bail caravane, il y a plus de monde qui était douteux de caravane. Mais directement, ça qui fait douter de caravane, c'est parce que il y a des propos, on est lancé politique. Moi, je ne fais pas politique. Mais directement, ça qui est bon, c'est pour nous dire. Et moi, l'activité qui fait, yo très à la portée de population satisfaite. Une fois route Fort Saint-Michel là fin construit, passagers ap ka utiliser route ça, sorti ville au Cap pour aller dans plusieurs débouchés. Tankou, route du Cap, Milo, et même moun kap rentre Port-au-Prince kap passe la donne pour éviter embouteillage dans ville au Cap. Construction route ça fait partie engagement président Jovenel Moïse prend pour interconnecter commune ak section yo dans cadre caravane changement.
Travail caravane changement a continué dans le département dans DSPIA, précisément dans la commune Trou du Nord. Travail a avancé pour construire diverses routes avant fête patronale commune l'an 20 juin, Cap Vinila. Reportage à Falande Delphin avec Lohor d'Arly Jean-Jacques. Préparation est déjà faite pour travailler au commencer dans l'arrondissement Trou du Nord. Objectif là, c'est construire toute route qui gagne dans la commune Nord. Directeur départemental travaux publics Nord-Est-là, ingénieur Guy Amboise Oli, ba garanti travail ça a commencé avant fête Saint-Jean-Baptiste-là, Saint-Patron commune Nord. Dans la caravane, nous avons réhabilité, asphalté toute route qui est net dans Trou du Nord. Avant cette fête-là, pour nous, c'est nous qui avons fait le maximum possible. Eh bien, après fait ça, on a continué toujours, on a fait tout, parce que c'est tout oui, net, président dit, c'est tout oui, même si corridor asphalté. Population dans la zone ça, pas de cacher satisfaction yo, suite à travail ça yo qu'a fait dans la commune nan. Vivre plus bien, faciliter la circulation dans la commune nan, c'est axe ça ou ça yo pral servi, d'après quelques monde qui te profité remercier chef l'État pour l'initiative ça. Moi, je travaille la fait là parce que c'est à l'honneur du président ça fait. Là, vous avez un problème. C'est le premier travail moi, qui est intéressé dans le pays. C'est le premier travail pour moi. Moi, je travaille là-bas, c'est trop bon pour moi. Le premier président qui est venu, qui a fait travailler ça. Parce que c'est par rapport à l'aide de l'autre qu'on a fait des gars, un problème parfois avec ça. La machine dans la boue, il n'y a pas un problème. Président Jovenel, qui est natif natal zone, a parlé avec mon arrondissement ça sur plusieurs projets infrastructures qui gagnent pour exécuter. Yon l'année après, travail ça a déjà commencé, j'en sa te promette là. N'a pas l'éducation qu'elle y est là, environ 144 000 candidats à bien pour CIMI, épreuve officielle baccalauréat pour année académique 2017-2018 là. Dans ce sens ça, ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé, il déjà prend toute disposition pour bon déroulement, examen SAIO, capte en main 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Directeur général Mainflan, professeur Mignol Jeune expliqué, Gandhi Vesmezi, capte contre tout responsable centre à candidat qui pas respecté conseil yo à principe ministère. Côté précision ligne, Amico Hurtelot, Marie Dieudonne à Rémi Godjit. Pour chaque examen, nous avons un code. Et code ça, c'est dans matin. Alors, avant même l'examen commencer, nous avons brûlé chaque directeur départemental pour nous faire un code là. Et c'est avec le code ça, il y a qu'à ouvrir et texte ça, et puis pour sortir l'imprimer pour le candidat. Donc ça veut dire, si on examine maintenant dans la rue, il faut que le responsable de la dit nous comment le fait dans la rue. Donc nous devons rappeler autour les dispositions que le ministère a prises pour faire respecter et appliquer toutes les consignes. Bon, on va reprendre. Conseil, nous dit tout candidat surpris en flagrant délit, de faute ou qui a gagné un comportement répréhensible, la copie lui annulé et la n'a invité lui pour quitter salle rapidement. Et candidat ça, il n'est pas capable de participer à l'examen baccalauréat pendant au moins 2 ans. Qui est ce candidat pour rentrer dans la salle d'examen avec Sam, quel que soit la nature de Sam. Porter uniforme, avait dit mettez uniforme obligatoire pour tout candidat. Utilisation calculatrice programmable, li formellement interdit. Téléphone cellulaire, li formellement interdit. Et pour surveillant, comme pour superviseur, mais comme nous le disons qu'on est pour tout candidat qui pourra participer dans l'épreuve. Porter téléphone dans la salle d'examen, nous ne pouvons pas l'ordre à aucun responsable pour qu'un bien téléphone pour nous. Nous pouvons nous dire, nous interdit, nous ne pas dire pour porter loi utiliser, nous disons interdit. Avec des si on est l'air ou porter téléphone, bien, nous faisons ça ou la veille. Mais nous déjà dit ça déjà.
est formellement interdit pour côté pour candidat pour des téléphones ni surveillant ni superviseur. Et depuis le monde, le candidat l'a éliminé, surveillant pour aller faire rapport pour nous pour que il n'ait pas qu'à participer dans la question sans problème. Même gens pour superviseur. J'ai noté annoncé dans Titio, secrétaire d'État pour alphabétisation, organisé jeudi 21 juin dans Saint-Marc. Cérémonie, clôture, programme Combit Alpha, qui était lancé dans le mois de juillet 2017 dans le cadre de Caravane Changement. Pendant la cérémonie, ça, plusieurs monde qui pat kon li ak écrit, qui sortit dans 7 communes dans Bas Tibonite, recevoir certificat. Fedner confident ak Fresnel Toussaint, reportage. Environ 3000 moun ki pat kon ni li ni écrit ki te participé nan programme Combit Alpha nan cadre caravane changement dans département la Tibonite la recevoir certificat et puis témoigner qu'on y a capable li ak écrit. Sur 3700 participants qui étaient dans programme ça, seulement 2995 qui recevoir certificat. Longtemps les l'autre la caillou et ou pas qu'on était le intel mais ou pas qu'on qui lettre qui première lettre qui dans nous. Mais je vous dis à sous qu'on première lettre pendant dans alpha. Ou qu'a dit bon Dieu merci ou qu'a dit l'état merci tout parce que les deux pour raconte qui première lettre leur ils vont côté sous bureau yo doit signer ou qu'a qui ça où est les moi les président André même qu'on première lettre moi c'est P mettez deuxième lettre pour mettre André moi c'est A c'est D c'est N pour mettre avec pour mettre D pour mettre R pour mettre E moi comprends yo bon qu'on y a là moi écrit non hein moi arrive en côté là moi ça dit avec objectif ça là moi quand on va me fouiller là. Attendre ça qu'a servi parce que je pense que votre côté mouille qu'on y a là et ben non je dois simplement m'apprêter m'a prêter mon côté m'a besoin on va arriver là dedans moi mais ça fait là en pile parce que mettez il mettez me créer que moi m'a fait ça au petit moi pas dire moi qui fait pour moi me dit merci en pile parce que son lit miel pour moi parce que moi avance quand même me dit merci en pile. Combit Alpha, c'est une nouvelle expérience qui permet secrétaire d'État alphabétisation mettre campé comité consultatif avec suivi CSS protocole engagement civique et puis un système suivi avec évaluation dans quatre processus alphabétisation. Mounzao, nous reconnaître que on lit, que on écrit. Donc ce travail ça que nous devons faire aujourd'hui, vienne faire gratification ça. Par les moniteurs superviseurs qui travaillent, mais également certifiés et participants néo-alphabétisés. Qui ça peut nous rappeler nous le programme ça? Le programme ça, c'est un programme expérimental. Le caravane alpha, le caravane changement, l'y lancé, nous pas de comparer avec nouveau programme alphabétisation que nous relais Combit Alpha, nous pas de comparer avec elle. C'est ça que fait, nous devons profiter de l'expérience la Tibonite là. Pour que nous soyons capables d'intégrer certains aspects de Combit Alpha, qui est une nouvelle stratégie. Et qui aspect ça que nous essayons d'intégrer, donc expérimenter dans le cadre de caravane Alpha dans la Tibonite. Si nous quittons Mounsa, dans l'état que nous avons là, nous pourrons le désapprendre. C'est ça que fait nous-mêmes, nous gagnons tout un programme de consolidation que nous pourrons faire avec eux. Et côté nous pourrons développer avec eux, ça nourrit les compétences essentielles. Voilà, donc ça c'est à venir, donc on va continuer avec eux, ça pas arrêter là. Ça c'est compétences de base que nous avons en lecture et d'écriture, et en calcul simple en mathématiques. Mais il y a des compétences qui ont avec l'utilisation des documents, les gens qui sont capables, qui marchent dans, qui sont capables de faire des comptables, les gens qui sont capables de vendre terre, qui sont bœuf, qui sont capables de reçu, etc. Donc, utilisation de documents sont qui est extrêmement important. Programme Combit Alpha dans le cadre caravane changement exécuté à appui participation cubaine, participation brigade technique éducative qui travaille directement dans cette commune dans le département de la Tibonite là, Saint-Marc, des Dunes, Thierry-Rivière la Tibonite, des Salines, Lester, Verrette et Clignancourt. Alphabétisation, c'est libre, moins besoin. Vous et puis mon école, allez chercher canet. Il paye au moins étoile, du moins du troisième. S'il déconne, il y a quelques malaises.
L'autre dossier, parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille parasol, s'allié vendredi 22 juin. Déclaration Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui s'est tout au président Conseil supérieur police nationale. Là. Président parasol, là, Yvon Bonhomme applaudit. Déclaration ça. Côté Premier ministre, là, a annoncé disposition qui bral prend pour mettre en bas-code tout le monde qui a troublé la paix publique. En suivant plus d'explications, dans le micro, Midrey Milias et Rémi Godjian. Parti politique parasol dit c'est bien, c'est de bonne guerre, mais la tout annoncé tout et la police fait bandio yo changer option. C'est plusieurs côtés dans la capitale là, bandio qui ça fait changer forme. Côté population a regardé match football, yo prend pause, c'est match football que yo même tout y a regardé et après match, yo tombé fouiller mon yo, prend l'argent yo, prend téléphone sur yo. Et nous même comme parti politique, nous alerter la police de telle sorte que vous capable beaucoup plus vigilant avec non seulement policiers qui déployés dans la rue ou dans point fixe mais aussi l'autre policier qui au même dans patrouille. Dans ce qui est en rapport avec sécurité, directeur département l'Ouest Police Nationale, là, commissaire divisionnaire Berson Soljour, expliqué qu'il y a une disposition qui prend un niveau police nationale d'Haïti pour tablir un climat la paix dans zone Martissant avec portail Léogan. Commissaire a fait qu'on ait une unité spécialisée dans PNH là, qui placée pour tablir la paix dans zone Sayo, cap travail pour contrecarrer action Mounaxam, cap simé la trouble aille dans la population Sayo. Berson Soljour a porté plus précision en un micro au Paki Sainte-Croix à Rémi Godjit. Depuis quelques temps, nous, situation que nous avons dans l'école normale de Matissan avec des protestations des étudiants yo, par rapport à professeurs qui n'ont pas gagné et un responsable pour l'école, un directeur que le ministère de l'Éducation nommé. Et depuis lors, ça, nous n'avons pas de problème dans la zone Bossin-Bernadette qui était occasionné un caoutchouc, un blocage et des tirs parfois de passants, d'automobilistes qui a passé, le fait qu'il y a voyé des roches, des bouteilles sur eux qu'on fait des tirs. Ce n'est pas une situation qui est créée par des bandits, des groupes armés, mais c'était plutôt des citoyens et parfois des policiers qui a passé, qui a voyé roches sur machine qui fait des tirs de sommation. Mais ça a été entré dans le cadre des populations ont peur, une psychose de peur qui était un peu sous zone, non, mais c'est pas des bandits qui t'a tiré. Nous pas dit que pas des bandits qui ont des armes dans zone, non, notamment dans zone village de Dieu, cité plus, et qui connaît des tirs. Nous connaissons un groupe qui l'a, qui a des armes et parfois des armes de gros calibre, mais conformément à instruction directeur général là, donc Michel-Ange Gédéon, et de concert avec DCPA, un dispositif de prévention et qui mettait dans zone nan, qui couvrit toute Dakadi bicentenaire Aritouman rivé jusqu'à Martissan hein? Nous avons un ensemble d'unités qui mobilisaient, c'est des unités qui pas même relevé de DDO, notamment nous gain Udmo nous gain par exemple Simo qui mobilisait avec blindé et nous gain deux unités spécialisées relevant de DDO hein? C'est Boy et Udmo qui montaient la garde qui a fait prévention et dans zone ça. Dernièrement, il était signalé que éventuellement Anel t'a gagné proche lit t'a mouri et que à partir de ça, tu commences à tirer dans zone là. Et à tel point, tu es même arrivé et ciblé policier même qui était en service beau théâtre. Heureusement pas gagné qui touchait et un véhicule de police qui était gagné pas balle solide, donc rapidement, donc disposition te prend et nous te voyons renfort. Et moi-même personnellement, nous te allons sur les lieux et pour que nous te capable de permettre que troupes là aient morale et pour qu'on ait que commandant avec eux. Directeur départemental l'Ouest Police Nationale là, commissaire divisionnaire Berson Soljour, ils ont l'autre côté poté plus d'explications sous l'ambo. Inspecteur police Cabaréa, Jean-Claude Pierre, qui fait partie 8e promotion PNH là, qui t'a touillé tête li. Commissaire divisionnaire Berson Soljour a annoncé la police scientifique Abguin pour bailler un rapport sous l'ambo inspecteur. Ils ont le bon responsable des DO PNH là présenté sympathie la famille policière. Ils ont extrait dans le micro Sainte-Croix. Je ne crois pas qu'il y a Rémi Godjit.
la police nationale d'Haïti, direction départementale l'Ouest, fait un gros pète. Nous avons Jean-Claude Pierre, qui sont inspecteurs de la 8e promotion, qui a plus de 22 ans de service et qui a un incident qui arrivait dans le lieu de service, le commissaire de Cabaret. Donc, nous avons parlé déjà dans la presse, puisque la première information a orienté l'enquête là vers un suicide, puisque alors il y a une balle, il y a deux orifices, un orifice d'entrée et de sortie dans la tête, qui sortit dans le temple. Police scientifique Tévin sous les lieux, juge de paix fait constat, donc constatation yo fait. Bon, bien que une polémique a créé avec Famini, parce que un jeu à qui s'allier, si c'est un suicide, donc l'assurance pas dédommager, ça que prime d'assurance pas bien. Donc nous-mêmes, nous étions réservés sur question 1, donc enquête là a avancé, puisque nous-mêmes nous avons ensemble d'éléments, mais police scientifique, BPST, qui est des professionnels, ils ont venu, ils ont gardé quoi, analysé et ensemble ZAM, douille et médicaments que le tap prend, tout ça dans la police scientifique. Donc nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas dans la polémique avec Prochio, puisque son pète énorme pour la police nationale d'Haïti. Nous avons profité pour nous présenter aux condoléances, nous, sympathie nous, et puisque Sam Dakadis, policier, inspecteur, son inspecteur qui jusqu'à moment incident arrivé, était toujours ferme au poste, et malgré qu'il était souffri de maladie mineure, mais c'est des problèmes d'Acadie au niveau estomac, mais il était toujours là, et à tel point était même pas le congé, il n'y a pas de congé. Donc. L'autre point dans le journal là, quelques jours après mission 15 à jour, en d'un pays responsable, Fonds monétaire international, il a publié une note pour expliquer qui j'en sa taillé. Dans la note ça, FMI by autorité haïtienne, yo bonne note pendant yo fait quelques recommandations. Ansi Mars a présenté un papier. Dans la communauté qui portait numéro 18246 là, responsable mission Chris Walker, déclaré li remarqué yon tendance croissance 2% qui t'a déjà un si pour investissement public. Pendant mission ça qui sorti 3 pour arriver 15 juin, côté on t'ai visité au Cap, Milo, Caracol à Kwanamet, c'était occasion pour te discuter sur évaluation programme SMPA. D'après notre ça, activité économique yo t'a dû augmenter dans l'année 2019 là. Pendant FMI recommande autorité haïtienne yo pour couper dans déficit dans budget ya. Ça qui t'a dû baisser sous inflation. FMI fait qu'on est déficit dans budget, jusqu'à dans mois mars 2018 là, t'est représenté 2.2% PIB. Puis loin, mission féliciter autorité haïtienne pour j'effort à décision au prendre dans affaire électricité, si tout là ont décidé gérer problème EDH là, prendre à créer plus transparence dans gestion l'argent l'État. Ministre économie et finance là, Judalix Patrick Salomon, qui t'a rencontré même mission ça, by garantie, il y a une disposition qu'a prend pour supporter famille, dans mettre programme social sous pied, une façon pour aider dans ajustement prix gaz là. Ministère agriculture en tête collée avec Catholic Relief Services CRS lancé jeudi 21 juin une conférence débat cap déroulé pendant des jours dans l'idée pour discuter sur l'avenir filière cacao dans le pays d'Haïti. Lunel Jean-Louis avec Henri Robert Chéri a dit nous plus dans un compte rendu. Divers experts internationaux mélangés à acteurs cap travail dans filière cacao dans le pays d'Haïti était présent dans quatre discussions sérieux qui a déroulé dans l'idée pour définir une meilleure stratégie qui pourrait permettre la production de cacao à augmenter dans le pays. D'après explication responsable agricole CRS, là, Stéphane Pierre, qui croit que la production de cacao a joué un rôle important pour l'économie familiale. Il y a justement composante et projet sérieux dans tous les deux. C'est genre de rencontre ça parce que nous comprenons que un ONG pour compte li, un projet pour compte li pas capable vraiment et développer et filière. C'est tout acteur qui est dans la filière qui est capable de jouer rôle ça, en particulier le ministère de l'Agriculture qui chapeaute filière. Mais rencontre ça, c'est pas rencontre seulement CRS avec ministère et producteur. Il y a l'autre ONG qui représente, l'autre bailleur de fonds qui représente. Parce que c'est dans plusieurs projets qui travaillent dans le pays, nous voulons essayer d'accorder violon et tout le monde pour que tout le monde travaille dans le même sens. Une stratégie, c'est planter plus de cacao dans les zones qui étaient affectées et planter cacao dans de nouvelles zones.
Et c'est pour ça une raison qui nous là d'après qui zone qui est appropriée pour nous planter cacao. Donc café à lui-même, oui, il a pris un coup depuis quelque temps, cyclone là vient aggraver la situation, mais encore là, il y a des discussions pour faire, par exemple, ça qui passe, il y a un changement climatique qui fait que des zones qui étaient qu'on fait café, qui viennent trop chaud, il n'y a pas qu'à faire café encore. Donc il y a des zones qui ont transformé de café à cacao et café à aller dans des zones qui sont plus appropriées, plus haute altitude, avec plus pluviométrie, qui permettent et café à, et puis toutes des nouvelles variétés qui sont plus adaptées avec nouveau contexte et climatique. Ça. Le gouvernement a déjà disposé 150 millions de gouttes pour permettre la production cacao à relancer en un pays. Hein, d'après responsable filière ça, dans l'Institut national du café d'Haïti, NK, Abel Cléoné, qui expliquait l'Institut pour continuer à encadrer les producteurs, surtout dans la région Grand Sud pays. Hein. Après le passage, le cacao a pris un gros coup dans la grande danse. Bon, c'est la raison ça qui fait actuellement. Et dans le passé, le projet cacao dans le ministère, c'était 25 millions, c'est 20 millions de gouttes. Mais actuellement, il y a un effort qui est fait au niveau gouvernement. C'est pour ça que le ministre a passé par qui a de 25 millions à 150 millions. C'est juste pour booster, pour relancer la filière, non seulement dans la zone qui était affectée par le cyclone Mathieu, mais tout dans l'autre département, en tant que le Nord, qui est la plus grande zone de production de cacao dans le pays, et dans la nouvelle zone, tant que dans le Nord-Est, au niveau de Charisme, Organisé, Grand Bassin et Vallière. N'a pas rappelé filière cacao, c'est troisième plus grande exploitation agricole pays d'Haïti et puis il joue un rôle important dans l'économie pays. Responsable catholique Olive Services mettait bout vendredi 22 juin à conférence nationale l'étape réalisée sous cacao. Dans le cadre de Chita Palessa, les Haïtiens ensemble avec différents producteurs et puis exploitateurs cacao en Haïti discutaient sous avenir, produit ça dans le pays, partager expérience et puis proposer l'idée pour faciliter l'élaboration premier plan national qui permet la production cacao à augmenter. Conférence nationale ça réalisée grâce à collaboration Banque Interaméricaine Développement BID, USAID à Coopération Suisse. Stéphane Jean-Pierre et Daniel Zéphir, ses responsables projet agricole dans CRS à exportateur café. En suivre. On t'a parlé de production, de marché et de financement secteur ailleurs. Matin, nous venons de présentation, une sur recherche et puis l'autre là sur gouvernance. Et donc, nous bouclons 5 présentations. Nous avons des ateliers tout qui étaient sur présentation, côté nous avons débattu sur ça que tu as parlé dans la présentation. Donc, prochaine étape là. Pour nous que nous fin nous parler en pile, nous garder pour qui côté nous y est en termes de filière, qui problème nous confronter. Prochaine étape là, c'est nous réunir un comité peut-être plus restreint et pour nous capables qui objectif, qui côté nous voulons aller par rapport à toute contrainte et toute opportunité que nous te joignons là. Donc nous allons faire des rencontres et par la suite avec un ensemble de représentants du secteur pour nous capables et déboucher sur des objectifs et après, qui gens nous pral atteindre l'objectif ça, avec qui type d'activité que nous avons mis en place pour nous capables d'atteindre l'objectif ça, et qui financement, quand nous avons besoin de financement pour nous et réaliser l'activité ça. Et moi, je connais que le financement là, il faut nous venir avec un combat concret devant nous pour nous capables de nous dire, mais ça nous voulons faire pour nous capables et à l'aise pour financer l'activité ça. J'espère que justement, qu'on y ait au moins des débats comme ça, on va arriver à quelque chose de positif sur la réunion ça. Maintenant, le problème qui gagne, c'est que qu'on y est, en parallèle, on a monté ça aurait l'interprofession de cacao. C'est-à-dire, toute filière cacao là-dedans, à savoir depuis producteur, en passant par les exportateurs, en passant par les coopératives, en passant par les ministères de l'agriculture, financiers, tout ce qui finance, pour nous, ouais, justement, si on a sorti avec un programme bien établi, et on est bien ficelé pour nous, ouais, si on a augmenté la production, qui est bah, plus important. Parce que s'il n'y a pas l'eau de dégustation, il n'y a pas l'eau de cacao fin, en réalité, pour faire lui, il faut que cacao. Or, Haïti, quand même, ça l'exporter grand maximum entre 4000 et 4500 tonnes. L'on pense qu'à côté, en République dominicaine, il y a à peu près 70 000, 75 000 tonnes. On voit la différence. Hein? Donc, nous pensons qu'après la réunion, il faut nous chiter tout bon pour nous concrétiser.
L'arrivée est le moment pour nous prendre un coup de pause publicité. Restez branchés, Naptonet. Nous retournons après pause la président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré jeudi 21 juin, travail réhabilitation, trois turbines centrales hydroélectriques Peligre. Cérémonie inauguration, ça a déroulé en présence diverses autorités locales, ac centrales et puis même corps diplomatique à concilier. Esaïe Aurelius avec Pierre Hippolyte Duvigneau a présenté un compte rendu. Pour Kounia, centrale hydroélectrique Peligre a produit à toute capacité qui c'est 54 MW. Avant travail réhabilitation Sayo, il était confourni 28 MW. C'est compagnie française Comelex qui est spécialisée dans l'électromécanique qui réalise travail en bas contrôle électricité d'Haïti, EDH. Inauguration travail Sayo, c'est un pas important pour concrétiser promesse président République là pour faciliter pays à joindre courant 24 sur 24 d'après directeur général EDH là, Hervé Pierre-Louis. DG Pierre-Louis était quoi? Gain l'autre travail qui doit être fait pour sécurité investissement ça y est. Et déjà aujourd'hui la centrale est en mesure de produire 54 mégawatts qu'elle était destinée à produire. On a franchi une grande étape, il reste encore des actions à entreprendre, notamment tous les équipements électromécaniques n'ont pas pu être totalement réhabilités. Il faudrait les continuer de manière à avoir une exploitation fiable et sécuritaire de la centrale. Il faut continuer avec l'acquisition des pièces de rechange, effectuer à temps les entretiens programmés et, je dirais, accompagner les techniciens puisque la centrale d'aujourd'hui a une technologie de pointe. Donc il faudrait accompagner les techniciens à cette nouvelle technologie. Les actions restant à entreprendre, ce sont des mesures qui visent à, je dirais, à sécuriser, à viabiliser l'investissement qui a été consenti. Important de remplacer le transformateur T2, puisque aujourd'hui, la centrale que vous voyez ici, il y a deux transformateurs de puissance. Un de 67 MVA qui permet d'écouler toute la puissance produite par la centrale, et une autre de réserve qui malheureusement n'a pas toute la capacité de laisser passer toute la puissance de la centrale. Président République là, Jovenel Moïse, dans l'intervention, fait qu'on est administration Lampap Campé, dans le travail cap mette PIA sur route développement et puis favoriser bien-être population. Chef l'État mande population payer pour courant yo consommé a pendant le rappeler travail pour réparer différents micro réseaux yo après possible. Courant 24 sur 24 là son réalité, c'est sur route là, c'est pour rêve li. Haïti pral gen courant 24 sur 24 kaj tout monde dans toute entreprise, toute industrie gen dans pays a, parce que on paye pour le développer. Faut gen route, faut gen courant. Des gros décisions, tant coup, décisions que le président Wanda a ce point pour le mettre l'eau potable dans la ville qui gale à partir de rivières que le gars a caillé. Et pourtant, en Haïti, le peuple qui a gardé là, il fait nous suspendre rêver. Un peuple qui suspend rêver, on suspend vivre. Un peuple qui suspend rêver, on mourit debout. Eh bien nous-mêmes, nous prenons décision pour nous continuer pour rêver. Pour une fois qu'on est le grand, le beau et le bien, c'est pour vous lier tout. Ce n'est pas fait pour un groupe, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est droit, les haïtiens. Les gens qui vivent dans une zone reculée. Les gens qui vivent dans bidonville, dans Port-au-Prince, dans les haïtiens, dans Okaï, dans Gonaïve. Dans Hinch, dans Mibale, c'est droit nous. Pour nous avoir courant, pour nous avoir de l'eau, même dans tout le monde. C'est droit nous. Pour nous avoir route pour nous la caille nous. Nous-mêmes qui savons être cap gardé là. Moun Baptiste cap gardé, moun Thomas, moun Maïsa, c'est droit nous. Pour nous avoir route pour nous la caille nous. Moun Boukan Carré, c'est droit nous. Pour nous avoir route pour nous la caille nous. Jodia, c'est pour le président qui l'a qui campé. Qui voulait dire nous parfois ça, nous voulait tendre. Mais il dit nous réalité. Mais pour route faire dans le pays, pour mettre courant dans le pays, pour mettre de l'eau dans le bout des monde, à qui ça peut faire? Je demande à qui ça? Je vais me poser une question ça aujourd'hui. Avec l'argent. Côté pour l'argent, côté pour les autres. Partenaires internationaux là. Nous ne pouvons pas tout le temps c'est eux pour nous mettre couille nous pour nous demander. Côté dignité nous. Côté fierté nous. Je dis à ce monde apprendre qu'on est courant ça capsule de Peligre là, c'est pour nous payer. Faut nous payer parce que si nous ne payons pas, entretien Peligre pas de café. Étrangers ont nous 100, 101 millions de dollars pour réhabiliter Peligre.
Yo ban nous 23 millions de dollars pour réhabiliter l'île qui mène courant sur Port-au-Prince. Ça fait 124 millions de dollars. Mais reste là, c'est pour nous café. Côte dignité nous. C'est pour nous café, pour nous payer courant. Nèg qui n'en prend qu'en belle yo, n'a pas rêvé sur nous. Nous connaissons EDH, comment se mettre l'équipe sous pied. N'a pas le bon tout ça au besoin en matière d'accompagnement pour la police Barou. Pour la justice bon accompagnement depuis nèg comprendre y a monté sous poteau côté lien l'air pour le bon Dieu notre la capitaine ni descend. C'est dans l'année 2014 travail réhabilitation ça yo qui inauguré jeudi 22 juin t'est commencé une série de travail qui coûtait plus passé 100 millions de dollars américains et puis joint financement banque interaméricaine de développement BID gouvernement pays l'Allemagne avec fonds international développement OFID. Asian American Nurses Association, ANA, a annoncé jeudi 21 juin 2018 la 7e convention annuelle leadership cap déroulé sauti 11 pour arriver 14 juillet cap vinila. Convention ça a fait sous thème ANA a fait promotion pour une approche multidiscipline pour une plus bonne collaboration entre professionnels santé yo. Docteur Marie Etienne a apporté plus explications dans le micro Midra Emilias ak André Chéri. Bu convention, hein? C'est nous qui thème, c'est HANA, contribue, collabore avec des multiples et différents professionnels pour promouvoir l'éducation, le leadership, la recherche et la technologie. Une infirmière licenciée ici en Haïti qui a besoin de participer, elle doit aller dans le site nous pour que vous enregistrez. Mais quand il y a un site là c'est www.hanaconvention2018.com. www.hanaconvention2018.com. Alors, faut m'expliquer bien que quand il y a si on aller sur site là, il y a un joindre site là pas active parce que nous avons l'heure pour que nous te suspendre registration. Ceci que on monde gain l'idée entrer pour que fait partie de convention, il y a un droit reler nous. Nous avons plusieurs numéros de téléphone que nous avons bail pour que mon nan relé et nous avons enregistré yo. Téléphone, yo avons relé la 917 648 3149. Yo avons relé et puis de là nous avons enregistré yo. N'a besoin l'autre information, n'a besoin nom yo, n'a besoin qu'on ait téléphone yo, n'a besoin qu'on ait email adresse yo. Et puis si que y a prêté dit Cameroun ou bien si que yo il a fait voyage là, va et vient chaque jour. Il a payé pour 3 jours information ça yo. Infirmière licenciée a payé $200 US et puis étudiant a payé $150 US. N'a pas continué par les santé. Hôpital Espoir inauguré vendredi 22 juin. Il y a un centre dialyse dans le local Delma 75. Cérémonie ça déroulé en présence directeur général office assurance travail avec maternité au Fatma avec plusieurs membres personnel médical centre hospitalier ça. Marie Jolui avec Fresnel Toussaint a présenté un reportage. Inauguration sans dialyse dans l'hôpital L'Espoir. Pour aller en service en plus, côté responsable pour servir les gens qui souffrent avec insuffisance rénale, qui c'est une maladie qui vient très fréquente et qui peut épargner même les gens. Gladys Thomas, président directeur général de l'hôpital L'Espoir, dit que c'est un rêve qui vient en réalité. En inaugurant aujourd'hui le centre de dialyse Neuphrovie, l'hôpital L'Espoir est donc venu apporter sa quote-part. Non seulement aux patients affectés de nos aux patients affectés, mais encore à la communauté haïtienne. Vu la multiplication des cas qui s'étendent sur le pays à un rythme tellement inquiétant, elle permettra à tous d'avoir accès également à une clinique pouvant prévenir et dépister les maladies des reins. Grâce à notre sincère désir de vouloir installer un service de dialyse à l'hôpital Espoir. Nos ferventes prières à notre Dieu, qui n'a jamais manqué de nous secourir à tous les points de vue, ce rêve somnolent s'était révélé enfin réel avec la rencontre de deux dynamiques dames infirmières expérimentées en dialyse.
Clinique dialyse Nefovia a pas gagné pour offrir différents services à patients yo tant coup hémodialyse aiguë à chronique placement cathéter dialyse y a joine tout temps disponible médicaments kayo mandé d'après responsable centre là Betty Paret. Je suis convaincue que Nefovia est ordonné par Dieu de la même mission, de même la mission de prendre soin de nos frères et sœurs est ordonnée par Dieu. Fournir des services de dialyse en Haïti est difficile et constitue une entreprise coûteuse. Je suis sûre de cela, que celui qui a commencé un bon travail le mènera à son terme. Pour terminer, je vous laisse avec un des vers préférés de Mère Teresa, trouvé dans Matthieu 25, 40. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait pour l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, vous l'avez fait pour moi. Clinique en dialyse, l'hôpital L'Espoir répond à la norme internationale qui mettait en place pour réaliser séance en dialyse. Dans le finissement cérémonial, responsable institution sanitaire ça honoré 5 premiers patients qui suivent traitement dans l'hôpital là. Machan Namaché Taba a réalisé un mouvement protestation dans l'idée pour condamner Mézi Méri Taba prend pour craser un parti dans Machéa pour construire un bloc sanitaire. Machan Sayo fait qu'on est magistrat Nice Simon Pachita Palé Akio avant l'y prend initiative ça. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Henri Robert Chéri. Mouvement Levé Kapessa, Machan Kavon Namaché Taba yo organisé journée mercredi 20 juin. C'est une façon pour contester face à la décision méritable à prendre pour construire un bloc sanitaire en Damaché. Si Machan Sayo expliquait, le magistrat Nice Simon n'a pas annoncé la craser tout dans l'espace qu'il a utilisé dans Damaché pour construire un bloc sanitaire. Pour sa communication méritable, Milka Jean-Baptiste Désir fait connaître, mais le conseil municipal tabac prend pour construire un bloc sanitaire dans Damaché à permettre marché tabac respecter les normes sanitaires et puis permettre à plusieurs étrangers qui ont fréquenté Damaché à bénéficier de l'espace là. Donc c'est un bloc sanitaire qui a bien environ une vingtaine de cabines qui a bien là-dedans et qui a bien deux autres cabines qui sont disponibles pour les gens qui sont handicapés, pour les gens qui gagnent et mobilité réduite. Donc l'itou a permis que y a couru des insalubrités, y a couru tout des mauvaises gestions qui a fait en dans marché. Et nous connaissons marché tabac, c'est le deuxième plus gros marché qui gagne dans l'air métropolitain. Et surtout, après nous connaissons incendie à répétition qu'a fait dans le marché en bas, la ville. 12 janvier, tout grand paquet de gros bus qui est écrasé, il y a une affluence de monde qui vient dans le marché. Là. Ça vient faire que le marché tabac lui-même, qui était construit pour environ un millier de marchands, est passé à plus que 3000 personnes qu'on y a. Donc, il y a des places qui étaient réservées pour si un cas que tu as gagné d'intervention d'urgence qui pour faire, par exemple, si tu as un incendie, si tu as gagné de l'autre situation. Mais place ça, pendant passage, ou du moins pendant gestion, plus que 3 à 4 intérima, tu as fait dans ces périodes de transition, eh bien, ça ne fait qu'un paquet de places qui n'est pas fait pour te mettre machin, yo vanyo ou bien yo bay moun illégalement. Et bien, puisque faut bien de structures qui pour faire, dans le cadre de réaménagement, d'ailleurs, on dit que l'administration communale, ça, Mme Nissimo Abdirija, a engagé déjà, même firme qui te construit machin, elle a engagé pour réaménager machin parce que vous avez plus de monde. Et à côté de ça, il y a un dîner pas, il y a tout service voirie dans le mairie avec service et nous capable de dire génie en tout cas fait de l'autre travail parallèle pour permettre que il y ait plus de moyens, plus de possibilités pour gagner plus de monde investir marché, mais pour marché à tout capable de structurer. Parce que marché à Kounia là, il n'est pas un marché communal, qui est le marché communal de tabac encore. Ils sont marché touristique et international. Parce que pendant 3 jours en semaine, il y a des étrangers qui sont sortis Venezuela, qui sont sortis Cuba, qui sont sortis Saint-Domingue, qui sont sortis dans l'autre pays, qui viennent vendre et qui viennent acheter pour aller retourner dans le pays. Le travail de construction de bloc sanitaire dans le marché tabac a duré 2 ans. C'est une initiative d'INEPA avec plusieurs mairies dans la région métropolitaine pour installer divers blocs sanitaires dans le marché public. Nous allons observer la troisième pause dans le journal là, pas débranché, n'a pas tenu.
N'a fond coup de pied tout coûte l'autre bord de l'eau. 56 millions de monde dans le pays, Turquie, doit voter dimanche 24 juin pour choisir nouveau président PIA avec plusieurs députés. Pour l'élection, ça a déroulé dans un contexte national état d'urgence. Il y a 6 candidats pour président avec pour députés et candidats qui sortent dans 10 partis politiques. D'après quelques sondages qui fait sous élection présidentielle en Turquie, vote capable difficile pour président actuel là, Recep Tayyip Erdogan, ça capable même faire li paré li depuis premier tour. Première dame États-Unis d'Amérique là, Melania Trump visité jeudi 21 juin dans Texas, yon maison refuge pour Timoun qui clandestin dans pays États-Unis d'Amérique. Première dame non fait visite ça en façon pour calmer bonne critique qu'a fait sous politique migration administration président Donald Trump a mené hein. Cependant, pendant visite ça, Melania Trump t'est poté en veste qui marqué dans doli ça paraît gadem et ou même un message qui fait en pile médias États-Unis questionné bonne foi pour mesdames non depuis mois mai 2018 gain environ 2300 timoun autorité américaine yo prend nan mes parents yo sous frontière Mexique ak États-Unis d'Amérique. Mais puis, gros point noté développé pour dans le journal là, président République là, Jovenel Moïse, visité jeudi 21 juin Fort Saint-Michel pour vérifier état avancement au travail. Construction route Fort Saint-Michel là fait partie d'une principale revendication moun kap vive dans zone ça. Et c'est une priorité caravane changement dans le département nord pays. La police prend toute disposition pour établir un climat la paix dans zone Martissant à portail Léogane, déclaration directe départemental l'Ouest Police Nationale là, berson seul jour qui fait qu'on est gain unité et spécialisée dans PNH là cap travail pour contrecarrer action bandit cap simé la trouble dans mi-temps population. Environ 144 000 candidats à gain pour CIBI, épreuve officielle baccalauréat pour année académique 2017-2018 là. Dans le sens, le ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé, l'I déjà prend toute disposition pour bon déroulement examen SAIO, captant mai 25 pour arriver 28 juin 2018 là. Secrétaire d'État pour alphabétisation organisé jeudi 21 juin en Saint-Marc, cérémonie clôture, programme Combit Alpha qui était lancé dans le mois juillet 2017 dans le cadre de Caravane Changement. Dans l'actualité internationale, là, dimanche 24 juin, Sibral joue pour Turquie voter. Yon nouveau président dans tête la Turquie, 56 millions de monde t'a doué participer dans l'élection. C'est là nous mettons en bout dans le journal. Là. Merci pour fidélité ou attention. Toute équipe là, t'es content avec vous. Rété branché Télévision Nationale d'Haïti pour reste programmation. On a souhaité tout le monde passer une bonne nuit et un bon week-end.